son sang. Oh, casse-toi, dégage. Laisse-moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, et si vous regardez ce vlog, vous vous demandez sûrement où je suis si vous ne me suivez pas sur Instagram. Je suis actuellement en Islande pour 8 jours avec JC, donc JC Pierrick, vous connaissez, avec qui j'étais partie à Coachella. Pour un projet assez particulier et assez spécial, il a décidé de lancer en fait sa chaîne, ses documentaires. Et il m'a proposé de participer à son premier documentaire avec lui. Et donc là, on va rester 8 jours en Islande. Donc j'ai décidé de vlogger, bien sûr, parce que c'est un truc qui se rate pas. Et j'ai trop envie de partager ça avec vous, surtout que c'est un pays dans lequel je suis jamais allée. Là, il fait très froid, c'est le premier jour aujourd'hui. Il est 9h30 du matin, on va aller prendre un café avant de partir sur le premier lieu de découverte en fait, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne sais jamais où on va aller chaque jour. Ça va être une surprise tous les jours, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais pas vous montrer non plus toutes les plus belles images puisqu'elles seront dans le documentaire de JC, mais je vais vous montrer quand même pas mal de trucs et tout l'envers du décor puisqu'on est plusieurs à être partis. Je vous le présenterai tout à l'heure. J'ai trop hâte de partager ça avec vous, ça va être trop cool, donc c'est parti. Anto, tu peux nous expliquer ce que c'est que ce petit déjeuner? Non, mais alors, c'est pas du tout quelque chose pour les enfants. C'est hyper mature. Attends, excuse-moi, mais pardon. Le petit Kinder surprise. C'est quoi ça? Du lait au chocolat? Non, mais il y a une explication. J'ai de la boîte de Smarties, alors que JC et moi, on est restés pas assez sûrs. Une banane. Parce que j'ai pris une barre protéinée et j'ai pris ça. Voilà, ça c'est mon petit déj avec un peu. Des vrais adultes quoi, tu vois. Des vrais adultes, tu vois, on a pris des trucs. Enfin, sauf ton croissant, c'était absolument pas obligatoire. Non, mais j'ai super. Ah bon? Ouais. Non, mais le chocolat Kinder, c'est vraiment. Non, c'est le meilleur. Non, donc ouais. Là, la terre en kiff. Le jouet, c'est le meilleur moment. C'est ça. En fait. Je sais pas, attends. Il est fait que pour le jouet, c'est. Non, mais c'est sûr. Mais ça, je trouve. C'est un signe. Oh, les gars. Je pourrais avoir des fleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin. Bah, mollo quand même. Bah en fait tu me prives de ma Saint-Valentin parce qu'on rentre le 14 alors. Hervé, s'il te plaît, tu pourrais prendre des fleurs pour Marie. Des fleurs pour Marie. Ah bah merci. Je peux t'offrir du liquide de refroidissement si tu veux. Ça me fait plaisir, hein. Ça me touche. Hein. Ce que tu comprends pas, c'est qu'en Islande les fleurs c'est pas la tradition pour la Saint-Valentin. C'est le liquide de refroidissement. C'est le liquide de refroidissement. Hein. C'est l'antigel. Bon, on est de retour dans la voiture, vous avez raté une grosse partie de ce qui s'est passé, mais c'est normal parce que je n'ai pas pris ma caméra exprès puisque ce sera pour le documentaire de JC. Et donc on est parti faire de l'avion au-dessus des rivières et des glaciers, donc en Islande. On était trois dans l'avion, donc le pilote, JC et moi, et ça a duré à peu près 3 heures, donc j'ai pris plein de photos. Et si vous m'avez suivi sur ma story Instagram, normalement vous avez dû voir ça. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me suivre sur Instagram, vous allez voir, j'ai fait un highlight en fait de l'Islande et de toutes les stories de l'Islande, donc si vous voulez voir plus d'images, vous pouvez aller voir ça. Là du coup il est déjà 15h quelque chose, et donc on va aller manger puisque là... Tout le monde a faim et ensuite on en a pour 3 heures de route pour aller à Vic, donc l'autre endroit où on va rester ce soir. Donc voilà, aujourd'hui ça va être majoritairement de la route. Ça va, JC? Bah ouais, ça va. C'était cool, hein? Bah franchement, ouais. Ouais, c'était vraiment très cool. C'est quand même assez unique, hein. C'était vraiment très très cool. Mais en fait ici il est 15h, mais le soleil est déjà en train de se coucher, quoi. C'est un truc de fou, c'est... T'as vu ça, le soleil où il est? Y'a plus de soleil. Y'a plus de soleil, bientôt, hein. Y'a plus. Pas de ma gueule. Je vais regarder les photos que j'ai prises. Je pense qu'à cette heure-ci, ou là, vous regardez ce vlog, j'arrive plus à parler. J'aurais déjà posté 36 milliards de photos sur Instagram. On va casser Instagram. On va casser Instagram avec les photos. Il se peut que ça bug. Hein. Ce sera à cause de nous. J'ai fait un pari. Je pense que je vais au moins me casser la gueule une fois ici. Parce qu'avec tout le verglas qu'il y a par terre, mais vous vous rendez juste pas compte, je vais vous montrer. Voilà. Tout ça. Tout ça là, ça, c'est juste un danger, mais pur et dur. Je suis déjà ravi d'être avec toi parce qu'on part. Et oui, quand même. On part à l'aventure. On part à l'aventure.
Bah déjà à la base toi c'était un pays que tu voulais visiter. Ouais, absolument. Donc voilà, ça me fait plaisir que tu puisses visiter via ce projet. Et donc ce projet, moi c'est un documentaire que je souhaite faire sur l'écologie et à la fois sur la photographie en fait. Donc là on part sur un projet pilote. On n'a toujours pas voilà, vendu encore ce projet de documentaire. On part sur un projet pilote, donc je suis ravi que tu viennes. Je fais le cobaye en fait. Ouais, tu fais un peu le cobaye, c'est bien, voilà. Mais bon, en même temps, bah, tu découvres, regarde ça, un coucher de soleil comme ça. Donc voilà, donc c'est un projet sur lequel en gros j'ai une bucket list de photos, donc des photos que je rêve de faire sur l'écologie. Ce sont des photos éphémères. Ici en Islande, il y en a plusieurs. Il y a les rivières vues du ciel, les grottes de glace, il y a des animaux, il y a les fox arctiques, il y a un hibou aussi. Bon, ça va être plus compliqué à faire, c'est une chose qu'on ne fera sûrement pas à ce moment-là parce qu'on ne part que sur un pilote. Mais voilà, c'est des photos éphémères que je rêve de faire dans cette première destination de l'Islande. Et donc, je voulais partager ça avec quelqu'un et je suis ravi que ce soit avec toi parce que tu sais que... moi, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, tous ces problèmes-là. Voilà, donc je voulais partir avec quelqu'un qui est aussi conscient que moi de tout ça. De l'écologie. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit pas, c'est que ça sent le soufre. Là, ça sent le l'œuf pourri. Vous voyez ça là-bas? La fumée. En fait, la fumée là-bas, ça, c'est ici en Islande, on ne sait pas pourquoi, ça sent le soufre. Je pense qu'Hervé en a profité en même temps. Ah ouais, et en fait, le soufre, pour vous donner un peu une idée de ce que ça sent, ça sent l'œuf pourri. C'est sympa. Non mais, et en plus ce qui était drôle c'est que hier soir quand on a dormi dans le premier hôtel, quand on a allumé l'eau, on a senti l'odeur. Et je pense que les gens sont tellement surpris qu'ils ont dû écrire en fait sur un petit papier que c'était pas parce que l'eau était sale mais que c'était l'odeur du soufre classique en Islande quoi. Voilà, donc là on en a encore pour 2 heures de route. Et puis ben, c'est parti hein. Quand on va arriver il fera sûrement nuit déjà je pense. On va aller à Vic. À Vic. Vic. JC a vu un spot à photo et c'est vrai que derrière là, c'est, vous voyez peut-être pas, mais c'est tout rose avec une maison en fait, donc on va sortir. On ciel était bien au chaud. Comment il parle, dans ciel de bâtard. Bon, il fait froid, mais il faut qu'on aille faire cette photo. C'est parti. Je sais pas si vous la voyez celle-là. Vous la voyez celle-là? Ça, ils ont mis une lumière en bas de la cascade. Ouais. Ah bah voilà. Tu veux qu'on s'arrête là? Tu veux qu'on sorte là? Bah ouais, il y a du vent hein. Non mais attends, on va... j'y sais, je suis pas prête. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Non. Ça va cailler là. regarde les arbres en face, ils cabrent les arbres. Oh punaise. Wouhou. Super. C'est super. Yes. Parce que, en fait, vous n'entendez pas... Vous n'entendez pas le vent. Vous ne l'entendez pas. J'arrive pas à ouvrir la porte. Vous avez... T'arrives pas à ouvrir la porte? On va s'envoler. Concrètement, j'ai rarement eu aussi froid de toute ma vie. De toute ma vie. Oh putain. Enculé, il fait gamin. Oh, je me fais pousser par le vent. Mais ta veste. La vitesse, ça va. Là, y a... C'est beau, hein. Ça va, vous êtes vivant? Oh God.
c'est le plus haut pour les aurores. Bon, on vient d'arriver dans la chambre où on va passer deux nuits. Et franchement, la JC, on est bien là. On est bien. La suite, luxe. La suite, non mais regardez ça comme c'est grand. Et regardez ce qu'on a dans la salle de bain et ce que les autres osios n'ont pas. Cette chose là. Je te préviens, je la réserve demain de 20h à 23h. Je te le dis, je la réserve. Bon, on va manger. Allez. Allez, go. Ça part, on y va. Ah, j'ai même un dressing. Hein? J'ai même un dressing. La meuf trop happy, tu sais. Tu chantais quoi, là? Non, mais c'est pas moi qui chante. Moi, je dis que c'est toi le relou, là. Oh, Marie. Non, tais-toi, c'est bon. Si tu savais. Arrête avec ta petite tisane. Mais vocalise. La 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 la. Ouais, c'est parti. Bon, je vous explique quelle heure il est, 22h20. On s'est tapé un speed et on s'est dit qu'on allait aller chercher les aurores boréales. Et en fait, on est sorti de l'hôtel et il y en a déjà deux énormes à côté de l'hôtel. Donc là, on va bouger sur la plage et ensuite, on va s'arrêter près de la plage. Après, on a 45 minutes de marche pour aller. Oh putain, elles sont énormes! Elles sont énormes! On va marcher 45 minutes pour aller sur la plage. Ça va être ouf, les gars. Je suis comme une gamine. Oh, c'est trop... Qu'est-ce qui se passe? Je connais les paroles par cœur. Bon les gars, on est à la chasse aux aurores boréales. Et là, on en a déjà vu tellement. C'est la nuit parfaite. Il fait trop froid. Et là, du coup, on va marcher 45 minutes, comme je vous le disais. Vous entendez peut-être rien, mais c'est trop beau. Bon, ça part, feu. Oh. Allez, feu. Venez, maître. Arrête, tu fais. Venez. Ah, non, mais... Allez là-bas. Venez. Suivez-moi, maître, je vous jure. Tu l'as. Non, non. Non, là, tu vas. Et le mec, il est. Je vais t'emmener dans un très bon sens. Marie, casse-toi, dégage. Laisse-moi. J'aime pas Gollum. Voilà, je serai en tournée le 25 à Dijon, le 23 à Perpignan et le 17 à Carcassonne. Yes. Les places à réserver dans la barre d'infos. Et voilà. Là, me regarde, Rocky, claque dans une là. Bon bah c'est un changement de programme les gars. Il est 1h30 du matin. Ça fait 1h30 qu'on est là. Et JC m'avait dit on va marcher 45 minutes pour aller à la plage. Marie, tu vas voir, ça va être trop cool. Il va y avoir des glaçons et des aurores boréales. JC, tu veux expliquer ce qui s'est passé? Bah je t'ai menti quoi. En fait vous pensez qu'on est où là? Le but, bah, c'était de te mentir pour pas que tu saches que je voulais, enfin, voilà, que je voulais t'amener là où tu voulais vraiment aller en Islande, c'est-à-dire dans l'avion. Voilà, on est dedans. On avait un peu froid. Du coup, on s'est fait du thé qu'on a apporté. Et j'y sais, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai vu l'avion? T'as pleuré. Comme une grosse merde. Barbara, rigole pas, toi, d'accord? Parce que toi, tu savais. Moi, je savais pas. N'empêche, on est très posé là, quand même. Hein. Moi, c'est le North Sky. Tu peux m'aider à l'ouvrir s'il te plaît? Merci. Tu crois que c'est toujours chaud? Oh putain, je suis sûr que c'est méga chaud en fait, j'arrive même pas à savoir. Si c'est chaud, c'est que ça marche bien. Oh, aïe aïe aïe. J'arrive pas à savoir en fait. J'ai peur de me cramer. En fait, j'ai mis mon doigt dedans, mais il est tellement congelé mon doigt. Non mais en vrai, ça fait combien de temps qu'on est parti? Il y a 2 heures, plus de 2 heures. Je sens même pas que je touche l'eau. Je sens même pas. Voilà, ça sera la miniature du vlog. Comme ça. Ah. Du coup, le programme, c'est quoi là? On se boit un petit thé dans une carlingue d'avion écrasée au sol en Islande par moins 20 degrés dehors avec des aurores boréales et un vent glacial? Ouais, c'est ça le programme. C'est plutôt cool. Le programme, c'est de jouer au pilote. C'est plutôt bon comme programme.
Bon, deuxième journée en Islande, il est 11h22 du matin. Hier soir, on est rentré presque à 4h du matin, donc on était juste éclatés. On s'est levé pas trop tard ce matin pour essayer de profiter quand même de cette journée. Je vais vous montrer un petit peu dehors, là, il fait toujours aussi froid qu'hier. Et là, on se dirige aujourd'hui vers les cascades, puisqu'en Islande, il y a énormément de cascades. Donc là, on a choisi le bon jour parce qu'on est tous crevés et qu'on a beaucoup de voitures, mais pas beaucoup de marches par rapport à ce qu'on a fait hier. Parce qu'en fait, pour aller à l'avion, il faut faire 45 minutes de marche aller, 45 minutes de marche retour dans le froid, dans le vent, dans la neige. Voilà, l'hiver, c'est un autre délire que l'été. Là, JC s'est arrêté sur le bord de la route pour aller faire des images, puisqu'en fait, sur le bitume ici, la neige, en fait, passe avec le vent. Et donc, du coup, ça fait des espèces de traînées de neige, en fait, sur la route. C'est très, très joli. Donc, du coup, ils sont allés filmer ça. Et moi, je les attends les fesses bien au chaud avec le siège chauffant, parce qu'il fait extrêmement froid. Bon, j'ai pas vlogué de la journée, ça a été un peu chargé et il faisait tellement froid que j'avais pas du tout la motivation de sortir ma caméra. Du coup, je vous invite à aller regarder sur Instagram ce qui s'est passé ou de regarder le documentaire de JC quand il sera sorti. Mais aujourd'hui, on est allé voir les cascades et c'était extrêmement cool. Et là, il est 21h. Puis bon, qui dit 21h et dit Islande dit... Qu'est-ce que ça dit, JC ? Aurore boréale, peut-être. Aurore boréale, on se lève à... Quoi ? Il y en a déjà là-haut derrière. Eh oui, il y en a déjà. Ouais, c'est bon, je les vois. Bon, il y en a déjà. Et demain matin, on se lève à 6h parce qu'on repart très tôt. Donc voilà, là, on s'habille chaudement pour aller chercher les aurores et espérer avoir d'autres aurores que les vertes. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ? Ah, il y a d'autres aurores que les vertes, là ? Bah, je pense, non. J'y sais, il n'y a pas d'autres aurores que les vertes ? Si, il y a des jaunes et des rouges. Et ouais. Ben voilà. Ah. On va à une plage. C'est pas une vraie plage. C'est une plage. Ça, on dirait vraiment un bibin d'homme avec ma boule. Elle va nous faire marcher. Ouais, c'est vraiment parce que je me dis, je suis en Islande et que. La même. Non, mais là c'est vraiment. Ouais, là, c'est de la passion quoi. Là, je suis vraiment exposé. Ah, pareil, je suis exposé. Ouais. Là, il y en a une qui bouge super vite, les gars. Bon, là, on peut pas vous la montrer, mais il y en a une énorme. Je sais pas, j'arrive pas du tout à vous la montrer avec la lumière. Attendez, je vais sortir. Les lumières des voitures, c'est impossible. Regardez. Est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça se voit pas ? Ça, là, ça, c'est une aurore boréale. Vous la voyez ? On va essayer de la prendre en photo. Elle bouge super vite. Par contre, faut éteindre les warnings, hein. Sauf que si on éteint les warnings là. Oh là là, JC, elle bouge ultra vite. Incroyable. Elle est trop belle là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais sur mon appareil, elle se voit. Folle. Kai, c'est mort. Le sky, c'est mort. C'est fou. C'est fou. Oh là 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 là. Oh là là. C'est un... Oh là là, nous. Oh là là. Oh là là. C'est rose. Regarde ça. Voilà, comme ça. Oh là là. C'est un truc de fou. Ah oui, je suis à moins 3, effectivement, ça risque pas de marcher. Je m'en remets pas là de ce que j'ai vu. Ok, donc là en fait, maintenant qu'on en a vu quelques-unes et qu'on sait qu'elles sont là, on va jusqu'à la plage. Pour aller les prendre en photo d'un autre angle en fait. Oh, putain, j'ai peur de tomber. Ils sont déter, ils sont trop déter. Yes, on adore. Bon, oula, ça y est, on est sur la plage. On est là. On est là. On attend les aurores. On attend les aurores maintenant. L'appareil photo. Ouh, ça commence. Il est là, ça commence. Bon, du coup, si ça commence, ça veut dire que... Adieu. Jour 3 en Islande, on est sur un lagon. Avec des glaciers, ce matin on a fait 2 heures de route pour partir de l'endroit où on était.
pour aller sur des glaciers en fait, et on en a vu pas mal, et là en fait on est arrivé à un lagon. Ça s'appelle comment? C'est le Jökulsárlón. Jökulsárlón. Et j'ai très froid. Et en fait, c'est un glacier qui est très connu parce que il lâche. Enfin, il y a des petits icebergs en fait qui se. Enfin, des petits icebergs. Vous allez voir la taille des icebergs qui se détachent en fait dans le lagon et qui avancent au fur et à mesure. Et ensuite, ils terminent leur course sur la plage. Donc, en fait, après, on va y aller sur la plage. On va voir. En fait, il y a des glaçons sur la plage. Et j'ai jamais vu un truc comme ça. Je vais vous montrer. C'est juste. C'est dingue. Voilà, c'est pas trop ouf. Et ici il y a des phoques. Depuis tout à l'heure, donc il faut juste essayer de les voir. Je vais essayer de les prendre en photo, je sais pas si je vais réussir. Et là, eux, ils vont faire voler le drone au-dessus des glaciers. C'est trop beau. Et la plage est là-bas. Atelier drone. Bon, on a vu des phoques. Allez. It's time to go back to the car. Hiiii, froment. Regardez l'état de mes mains. Et oui, pourquoi tu mets pas de gants? Parce que je les ai oubliés dans la voiture. Voilà. Bon, je vous explique la petite situation actuelle. Il est 16h41. Nous sommes du coup allés sur la plage avec tous les gros glaciers qui se sont échoués. Et en fait, il fait un froid de malade, mais un froid, mais je pense que vous imaginez même pas le froid qu'il fait, c'est juste un truc de fou. Du coup là les garçons sont allés faire des plans pour filmer sur la plage, parce que clairement là j'ai mal en fait, j'ai tellement froid que j'en ai mal de partout, mal aux mains, mal aux pieds, et pourtant croyez-moi que j'ai des couches et des couches et des couches, mais là juste j'ai froid. Du coup j'ai décidé de vous faire deux vlogs, un vlog pour les trois premiers jours et un vlog pour les autres jours, pour essayer de diviser quand même les vlogs en deux parties et pour que vous ayez un maximum de contenu. Donc voilà, et comme je vous le disais, ce que je vous montre pas dans les vlogs, soit je vous le montre sur Insta Story, soit vous le verrez dans le documentaire de JC. L'idée bien sûr c'est de pas cannibaliser le contenu qu'il fait lui pour lui et en fait en vous faisant des images pour mes vidéos et pour ma chaîne, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, regardez cette lumière de fou. Donc là, ça m'embête de rester dans la voiture en fait. Je crois que je vais aller les chercher, je vais aller les rejoindre. Je ne sais pas du tout où ils sont parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde sur la plage étant donné que c'est une plage extrêmement touristique. Je ne sais pas où ils sont. Alors. Bon, je vous explique, en fait, il y a deux voitures. Ouais. Il y a la voiture avec JC et Hervé dans laquelle je suis depuis le début. Et Askip. Et il y a la voiture de l'ambiance. Askip, il y a la voiture de l'ambiance, ouais. avec Anto et Lucas. Ouais. Donc, on va voir quelle est la meilleure voiture. Le problème d'être 5, c'est qu'il y en a toujours une qui fait deux voitures. Voilà, donc j'espère que ce sera vraiment à la hauteur de ce que tu m'as dit, sinon je vais être extrêmement déçue. Non mais donc Lucas pourra confirmer. T'as plutôt intérêt à ce que ça soit la voiture de l'ambiance, parce que sinon je suis un pilote grand malade. Tous les gens qui prennent la voiture avec moi, ils savent que je chante du début à la fin. Donc c'est toi qui fais la playlist ou c'est moi? Vas-y, tu fais, mais il faut des chansons que je puisse connaître, quoi. Putain, mais on... Attends, elle réfléchit grave. Projet. Oh non, vous allez pas mettre ça les gars. Perdre. Vous êtes sérieux là? La dura. 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 Bon, c'est le début de la quatrième journée. Je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Je vais recommencer du coup un autre vlog avec du coup le reste de ce séjour en Islande ici avec tout le monde. J'espère que le petit vlog d'aujourd'hui, ce petit vlog de 3 jours vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je pense que les prochains vlogs sur ma chaîne vont être assez différents parce que j'arrive plus à faire des vlogs comme avant. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai vraiment envie de partager avec vous en fait ces voyages que je peux faire, etc. J'ai envie de faire un peu moins de vlogs, mais peut-être des vlogs qui me ressemblent plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite du coup pour la suite de ces vlogs en Islande. Bye bye.